Professeur, vous êtes prêts? On va pouvoir commencer la conférence scientifique. Moi? Oui, professeur, c'est à vous que je parle. Bon. Alors, avancez ici. On a déjà tout préparé. Mesdames, messieurs, bonjour, on va. Professeur, allez fermer les portes qui sont là-bas, s'il vous plaît. Hein, parce que ça va faire du bruit. Voilà. Voili, voilou. Il va où? Ben, il est parti aux toilettes, je crois. Professeur, ah, le voilà. Voilà qui revient. Professeur, c'est parti, ça y est, on est prêt. Alors, bien évidemment, avant de commencer une conférence scientifique, je pense qu'il est important de se présenter. Professeur. Ah oui, oui, je suis le professeur Benoît. Non. Ben, vous êtes le professeur Philippe. Oui, toi, tu es le professeur Philippe. Non, moi, je suis professeur Benoît. Pourtant, pas bien compliqué à la fin. Allez vous asseoir, dépêchez-vous. Bon alors, dans les... ah oui, si, présentation, et bien évidemment, comme vous avez deviné, hein, avec nos blouses... On est des hommes de ménage. Mais non, professeur, on est des scientifiques. Des quoi? Des scientifiques, hein? Bon, figurez-vous qu'en septembre, le cinéma de Bar-sur-Aube, le vagabond, nous a demandé de venir faire une conférence scientifique sur l'épiphanie. Hein? Voilà. Mais quoi? L'épiphanie. Vous savez pas ce que c'est l'épiphanie? Attends, Professeur, je vous avais dit, avant de commencer cette conférence, de chercher ce que c'est... Eh ben, je viens d'aller chercher dans la salle. Ah, hein, voilà, allez, tous ensemble. Ah, de l'autre côté. D'accord. Bon. Avec les quoi? Les filles! Oh, mais les filles, et professeur! Aïe, 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 aïe! Et dans sa cuisine, il y avait un bol avec des doigts de bébé. Oh là là! Il y avait un bocal avec des yeux de poisson. Elle avait une grosse galette. Elle a remué la sauce pour mettre dans la galette et dedans, elle a mis de la graisse du bas du dos d'un babouin. C'est ça la galette de Frida la sorcière? Les ailes de moustique. C'est bizarre comme galette, ça. Du jus de limace. Attends, la serre fraîche par ici, à quelle heure dit-on? Et moi, je lui dis, remets ta culotte à l'endroit, méchante, tu ne mangeras pas. Remets ta culotte à l'endroit, méchante, tu ne mangeras pas. Et non. Tiens, voilà le roi et la reine. Tiens, voilà la reine et le roi. Tiens, voilà le roi et la reine. Tiens, voilà la reine et le roi. Ok, ça va, tu tiens? C'est bon. Alors, mesdames, messieurs, ça y est, c'est le moment. Trouvez le roi et la reine. On va commencer, bien évidemment, par le roi. C'est parti, on tourne. On tourne. Et quand vous arrêtez la musique, professeur, on arrête. Non, pour c'est commencer. Le mur, non, c'est le mur, là, ça va pas. Là. On commence. On tourne, 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 on tourne. Stop. Bouge pas. C'est là-bas. Ok, tu tiens toujours, hein. Qui sera le roi? Moi! 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 Bravo, ma grande! Ah, mais non, c'est un roi qu'on cherche! Ah mince! Ouais, bah c'est pas grave, ça change! Ça sera la reine! Ça sera la reine alors! La reine d'abord, ouais!